Trouvez l'utilitaire qui vous correspond chez Cara Auto à Bar-le-Duc. Espace, polyvalence, connectivité, design. Retrouvez tous les modèles de la gamme Volkswagen véhicules utilitaires et tous les avantages qu'ils peuvent vous offrir. Achetez, louez, entretenez votre utilitaire chez votre concessionnaire Volkswagen Cara Auto à Bar-le-Duc. Du 30 mars au 3 avril, l'association Archeolona vous invite à la seconde édition des Printemps de l'archéologie à Saint-Dizier. Durant 5 jours, les grands monuments de la préhistoire et de l'Antiquité seront à l'honneur autour de 4 grands axes. Deuxième festival des Printemps de l'archéologie du 30 mars au 3 avril à Saint-Dizier. Entrée gratuite. Latitude, électro R&B, c'est priorité au local, en Haute-Marne et dans le sud de la Marne. Latitude, plus proche de vous, à Saint-Dizier et Vitry-le-François, sur 107.9, mais aussi partout, en digital, sur l'appli Latitude et les enceintes connectées. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce dimanche 27 mars 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. La route nationale 67, appelée aussi la route de la honte, fait toujours autant parler d'elle. Les accidents s'enchaînent, mais le projet du rond-point, lancé en 2018, n'a toujours pas avancé. Le Pass Culture est une application pratique et permet de dépenser 300€ dans les spectacles et les concerts et bien d'autres choses. Et voilà pour les titres. Élus et riverains de la route nationale 67, appelée aussi la route de la honte, constatent que cet axe est très dangereux au vu des accidents parfois mortels qui se succèdent. Deux fois de voie ou rond-point, plusieurs idées ont été émises. Le projet du giratoire avait été retenu par le conseil départemental de la Haute-Marne lors d'une manifestation en 2018. 4 ans après, ce projet est-il au point mort? Élément de réponse apporté dans ce reportage. Janvier 2022. La route nationale 67 est de nouveau le théâtre d'un spectaculaire accident à hauteur de Bayard-sur-Marne. Miraculeusement, le conducteur de la voiture s'en est sorti indemne, mais un mois plus tôt, début décembre 2021, un conducteur d'une camionnette est entré en collision avec un poids lourd et en est décédé. Ces séries d'accidents sur cette route, appelée la route de la honte, excèdent certains élus. Cette RN67 a un flux, n'est plus adaptée au flux aujourd'hui, puisqu'il y a 10 000 véhicules par jour, dont 3 500 poids lourds. Dès qu'on a un accident au-dessus de la RN67, cette RN67 est déviée dans nos villages. Il y a une multitude d'écluses, etc. Et le flux ne peut pas passer, c'est impossible. En 2018, une manifestation avait eu lieu aux abords de cette route avec des habitants et des élus pour dénoncer cet axe accidentogène et meurtrier. La création d'un rond-point avait été soulevée à hauteur de Roche-sur-Marne. 4 ans après, rien n'a bougé car il s'agit d'une route nationale sous la compétence de l'État. Le département de la Haute-Marne souhaite reprendre sous sa compétence cette route, mais là encore, l'affaire n'est pas gagnée. C'est un dossier sur lequel je me suis engagé. Je me suis rendu à Roche-sur-Marne devant la population. Je l'ai promis au maire. C'est un rond-point que nous allons faire à la place de l'État sur cette route nationale. Donc ce rond-point, j'espère, aboutira bien avant l'accord sur le transfert de ces deux routes nationales. Nicolas Lacroix est donc conscient de la problématique rencontrée sur ces routes nationales qui traversent la Haute-Marne et souhaite améliorer ses axes routiers. Ces routes sont en mauvais état, elles sont mal entretenues depuis très longtemps, elles sont à grande circulation. C'est un projet important qu'on doit regarder dans son ensemble, mais il y aura un plan pluriannuel d'investissement. Et ces deux routes nationales, je peux vous dire qu'on va en faire de très belles routes et on y mettra les moyens parce que la mobilité en Haute-Marne, ça passe d'abord et avant tout par l'automobile, et tout le monde le sait. Dernièrement, un rebondissement a eu lieu dans la création de ce giratoire au travers d'un arrêté préfectoral. La représentante de l'État a autorisé le conseil départemental à effectuer des relevés de certaines données pour finaliser les études techniques pour l'implantation de ce giratoire. Et passons à présent à notre image du jour. 8 classes et 189 élèves ont participé à la visioconférence et à l'échange entre les collèges et lycées de Haute-Marne et le mémorial Charles de Gaulle, qui avait spécialement invité Éric Fotorino pour la 33e semaine de la presse et des médias dans l'école. Éric Fotorino est l'ancien directeur du Monde et créateur du journal Le 1 et Zadig.
Envie d'aller au théâtre, de voir un film ou un spectacle, d'acheter un roman et de prendre des cours de musique, de photo en ligne, le Pass Culture propose 300 € à dépenser au travers de milliers d'offres à réserver selon les envies. Ce pass permet de passer à l'action et de s'ouvrir à la culture dès le plus jeune âge. À Saint-Dizier, l'offre culturelle tente de s'adapter aux jeunes. Un reportage d'Alison Godefroy. Porté par le ministère de la Culture, il est à destination des jeunes âgés de 18 ans. Il les accompagne au quotidien en leur offrant un plus grand accès aux spectacles, aux concerts, avec un montant de 300 €. Il s'agit du Pass Culture. Il se présente sous forme d'application. Il suffit de la télécharger et de réserver des propositions culturelles à proximité. Et ces 300 €, ils peuvent les utiliser dans diverses activités culturelles, pour acheter des places de spectacle, des livres, des places de concert, pour aussi prendre des cours de musique, de théâtre, de danse. Donc c'est 300 € offerts à tous les jeunes de 18 ans qui peuvent dépenser en activité. Aujourd'hui, la culture est indispensable et le goût de la culture s'apprend dès le plus jeune âge. Elle permet la découverte, les rencontres et l'apprentissage. Elle offre le sentiment d'appartenance à une communauté, mais aussi le divertissement, essentiel pour échapper à la routine. Je crois qu'aujourd'hui, pour se construire, n'importe qui a besoin de découvrir des choses, de réfléchir, de partager ces moments. Et puis c'est une porte ouverte, une vie qui serait limitée à le boulot, les repas, le dodo, voilà. Enfin, il n'y a aucun intérêt et c'est vraiment une porte ouverte et un éclairage différent à porter sur le monde qui est essentiel à chacun. Cette année, la saison culturelle des Trois Seines offre un large choix en matière de spectacles, mais aussi en termes de concerts. Cet été, le musical été ouvrira ses portes avec des concerts gratuits, mais aussi au programme d'autres temps forts pour la saison estivale. La majorité de notre public, on est plutôt sur des trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires, 60, 70 ans. C'est une petite partie finalement les jeunes et c'est quelque chose qu'on aimerait bien développer. Donc on propose une programmation qu'on espère puisse les attirer, donc que ce soit des concerts ou du théâtre par exemple. L'offre du Pass Culture a connu et connaît encore un véritable succès. Celle-ci s'étend sur tout le territoire national. Les jeunes âgés entre 15 et 17 ans peuvent dès à présent prétendre à cette bourse, allant de 20 € à 300 € suivant les âges. Les montants sont cumulables chaque année. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. N'oubliez pas, l'actualité continue sur puissancetelevision.fr. Très belle semaine à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, on commence tout de suite avec la carte de France. Pour demain, le beau temps jouera les prolongations, le soleil brillera sur tout l'Hexagone. Pour les températures, comptez 21 degrés de maximale à Bordeaux et à Lyon. Pour les minimales, elles seront de 3 degrés en Moselle, à Metz. Du côté de nos départements, le beau temps sera aussi au rendez-vous. On annonce encore du soleil. Côté température, on restera dans les normales de saison avec 19 degrés de maximale à Vitry-le-François. Enfin, comptez 3 degrés de minimale dans la Meuse à Commercy. Demain, lundi 28 mars, nous fêterons les Gontrans. Le soleil se couchera à 20h15. L'information continue sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile.